Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Conseil des ministres, le président Doumbouya valorise le textile traditionnel Forêt-Fatry. Accusation de viol et d'avortement à Wanindara, une famille dénonce le fondateur d'une école privée. Kenya, la justice suspend la destitution du vice-président Gachagua. À l'international, en Italie, la détention des migrants en Albanie invalidée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue en Guinée. Le 18 octobre 2024, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu au Palais Mohamed V sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Le président a marqué cette session en faisant adopter le textile traditionnel forêt sacrée de la Guinée forestière, un geste symbolisant l'engagement pour la promotion du patrimoine culturel. Suivez les détails avec Latif Alama. Lors du Conseil des ministres du 18 octobre 2024, le président Mamadi Doumbouya a introduit une initiative culturelle forte en demandant aux ministres de porter le textile traditionnel forêt sacrée. Ce choix reflète son attachement à la préservation du patrimoine guinéen et met en avant la richesse des traditions de la Guinée forestière. En plus des dossiers discutés, cette valorisation de la culture nationale a été au cœur de la réunion, renforçant l'identité culturelle du pays. À Wanindara, un quartier de la banlieue de Conakry, une sombre affaire secoue la communauté. Le fondateur d'une école privée locale est accusé par une famille de viol suivi d'un avortement forcé sur leur fille. Les faits dénoncés par Aissatou Diallo, la mère de la victime présumée, soulèvent des questions sur la protection des élèves et la responsabilité des institutions éducatives. Suivi. L'affaire fait grand bruit à Wanindara. Selon les informations recueillies, une famille a porté plainte contre le fondateur d'une école privée, l'accusant de viol sur leur fille mineure. Les événements se seraient déroulés dans l'enceinte de l'établissement scolaire Aissatou Diallo. La mère de la victime présumée raconte que sa fille, dont l'identité n'a pas été dévoilée pour des raisons de sécurité et d'anonymat, a été agressée sexuellement à plusieurs reprises par cet homme en qui elle avait confiance. On a demandé l'école privée, l'école Benamo Diallo et l'Azuno Wanindrado. Benadi Giunkun Django Goldon, fondateur Gion et l'Azuno Tigi. I giunkun endermo mo mari kanko tigi biro kander ton kander et ekol makko onodda giunku yobe yobe itta koje sa fe o manne giunku ha fe ite ender dum o dayni giunku etti giunku ona bikun wo fula madina ender motel oni giunku be yaado restaurant nyamugol giunku ko mo 17 ans o yaade giunku nyamugol o jetti giunku o violi giunku ender hotel ba o violi djunkun arte der dum e jaka o jettiredu mawdon ba o yet djunkun immi ke nawni do ha djunkun nabama yeyi wadu wala ni hore mum visite andi ko redujo djunkun noddi mawdon wawlani mawdon in e elazunu ko mi redujo mi yeka laptane be nilan ko mi redujo elazunu wi ko ay awa joni daruno gerda on sait djunkun in ne walletela mi fala ka e tokara ngandu kanyum mati e biro ange si be andi mo yanala on saati o jokki mawdo na mawdo jetti 300,000 jonnimo yo yo o itto ya rendu ba jinkun hende ke 300,000 jidin ye moggo kama ka be woni don kay wandra don e der clinique un chambre goto on sumati jinkun wola ni ben faala avorte ben innimo ko 500,000 avorter sa redu jinkun inne ko 300,000 jogiti on sumati ben sina 500,000 be avortanta mo rendu on sumati jinkun jetti 300,000 jidin jonni be no jogino telephone iPhone jetti telephone non jonni be comme engagement fi on no 200,000 ji heddi din jinkun acci telephone onto après be pique jinkun pikirji fi yo rendu bon rendum ba woni ndu be jonni modin pikir ji rendum ndu dumanni ndu avorti kono lati e der dum lanal iwali karedu o fuddi señude ko huli kon non ba mo wondi e tokara makko ka suudu nene makko mawdo o imme o hoti ka nene makko ka flawat mamu
ender dum ba hoti mam après wono e 2 jours 3 jours ender 5e jour on tun déclencher ka redu makko ko avorti kon on saati ben do ganda ko avortement o wadi be jetti mo direct be nabi mo ka urgence mam babe nabi mo ka urgence mam on somati ben to ngin nyako avortement o wadi faut que yobe addir mo ka urgence donc a gade be jetti mo ka urgence donc a be addimo konak e be yettimo ka urgence mamum be addimo ka urgence donc amen hewti be wadimo duma foppu be visite be ndari fo be nako avortement kon avortement on woni grave ko foke aussi va opération générale on sumati e derdum ben do ngini wawata yo men nabumo ignace din men nawi mo ignace din be wadimo opération générale be loti redum dum kono tay derdum jiyan dan jippike ka koyde ndel koy di janda jippe kon ko koyde jiunkun koyde den ibika busse ha ka teppele fo ko ko nyoli me nyoli feewdo kam woni do ni jiunkun no entre ngurdan e maide e der dum mi yeey ba mi yeey kala tan taybe so ngime me yeme wadi plainte ka o progene ben to ngin na me yo men habbo hande vendredi hebi 2 semaines bi men wadi on plainte ame mbuga ara e meden tori jama on wallugol men fi no dum do tabitira no gonga tabitira maudo mo 70 ans yo yanno e jiunkun 17 ans jangana ko joma ko kale kol makko hara yandi dum do wadi men menen meden tori alla wota watto e hore goddo parce que menen lebbi nay men danaaki jemma e nyalorma meden udditi kite suti aden goto yandi men tori ke barlal. Plus choquant encore, après avoir appris que la jeune fille était tombée enceinte à la suite de ses actes, le fondateur aurait, selon les dires de la famille, imposé un avortement illégal pour dissimuler l'affaire. Le cas a été signalé aux autorités locales et une enquête aurait été ouverte. Cependant, la lenteur des procédures inquiète les proches de la victime qui craignent que l'affaire ne soit étouffée. De nombreux habitants de Wanindara, indignés par ces révélations, réclament justice. Ils appellent à une sanction sévère à l'encontre du présumé coupable et à la mise en place de mesures pour protéger les élèves dans les écoles. À l'intérieur, ce samedi 19 octobre 2024, près de 10 000 personnes ont participé à un carnaval à Kindia pour marquer le lancement du tournoi de football doté du trophée présidentiel sous l'égide du général Mamadi Doumbouya. L'événement qui aura lieu au stade Fode Fissa réunit des personnalités importantes. Les images. Dans une ambiance festive, Kindia a accueilli un carnaval exceptionnel pour lancer le tournoi de football du trophée présidentiel. Près de 10 000 personnes se sont rassemblées, faisant de cet événement un moment historique. Les douanes de la baie ont intercepté plus de 110 kg de chanvre indien lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de drogue, un fléau persistant dans la région. Les détails avec Latifa Lama. Les douaniers de la baie, en collaboration avec les services de sécurité, ont saisi une grande quantité de chanvre indien. Cette opération représente une victoire majeure contre le trafic de drogue dans la région. La quantité, c'est estimativement 110 kilos. C'est les 6 colis que vous voyez derrière moi. Ils ont été saisis dans la journée du 10 octobre 2024. Ici à la baie, c'est la route du camp, mais ils ont quitté l'itinéraire, c'est de Madinaoula, Mamou, là-bas, Pita, jusqu'à la baie. Vous voyez, c'est pourquoi ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est qu'il y avait toute une panoplie d'agents pour traverser sur la route. Ils n'ont pas senti ça. Nous, c'est l'odeur. Et seulement les agents qui ont pris le flair quand même, chaque fois, les flairs de douaniers. Le nombre de personnes n'est pas déterminé, mais c'est qu'elle est mise en cause et il est avec nous ici. Et la cité, c'est dans le lieu de transport, il dépose chez l'agent. C'était l'âge de la Dakar. Et c'était l'âge de la Dakar. Ça fait une dispensation au niveau de la préfecture, mais juste à ce moment-là.
côté c'est la sambara kaimane tant faire un traité d'une mais nous on a un wany du côté faire nanam afa fala fa ngafa bi arrangement yo na bien rapport côté à la situation ko tant délire nanam. On a envoyé ce colis à son propriétaire. Moi, je suis ici pour me traiter. Celui qui m'héberge, c'est pour lui ce colis. C'est lui qui m'a demandé de venir voir la position de son colis. C'est comme ça que je me suis retrouvée là. Moi, j'étais en train de me traiter. C'est là qu'il m'a appelé de venir ici, que la douane a saisi son colis. Je suis là, moi, six places. Je suis là, je suis là. 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 Les stupéfiants ont été détruits et plusieurs arrestations ont déjà eu lieu. Les autorités locales se félicitent de cette réussite, tandis que les habitants espèrent que cela contribuera à réduire la criminalité liée à la drogue. Sur le continent, la justice a suspendu le procès de remplacement du vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, empêchant le président William Ruto de nommer un successeur tant que l'affaire n'est pas jugée. Suivez. Le Sénat kenyan avait déjà suspendu l'audience de destitution du vice-président Rigathi Gachagua en raison de son hospitalisation pour des douleurs thoraciques. Gachagua a plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation qui le visent. Nora Obed, un habitant de Nairobi, estime qu'il faut donner à Gachagua une chance de prouver son innocence. Il n'aurait pas été équitable que le vice-président soit destitué en son absence parce qu'il était soi-disant malade, selon les informations données aux Kenyans. Mais cela peut aussi servir de leçon à ceux qui gagnent du temps en faisant croire qu'ils sont souffrants. Lui seul sait s'il était malade ou non. La Cour examinera l'affaire en profondeur pour déterminer si les accusations justifiant la destitution de M. Gachagua sont valides. En attendant, la justice a clairement suspendu toute action visant à le remplacer, garantissant au vice-président la possibilité de défendre son cas avant que de nouvelles mesures ne soient prises. Le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi avoir demandé à Taïwan de déplacer son ambassade hors de la capitale. De son côté, Taïwan a accusé l'Afrique du Sud de céder à la pression exercée par la Chine. Pékin, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire, est accusé par Taipei d'avoir affaibli les relations entre Pretoria et l'île. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré. Développer des relations diplomatiques avec tous les pays. Il s'agit d'une norme largement reconnue dans les relations internationales. Nous apprécions la décision correcte de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taipei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. Les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998 après la fin de l'apartheid et la chute de l'Union soviétique. En 1997, l'Afrique du Sud avait rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan, transformant l'ambassade de Taipei en un simple bureau commercial. À l'international, en Italie, la détention des migrants en Albanie invalidée. Tôt dans la journée du vendredi, le tribunal de Rome s'est prononcé contre la décision du gouvernement de droite de détenir 12 migrants dans des centres nouvellement ouverts en Albanie, soulignant ainsi un obstacle majeur dans le progrès de l'administration d'externaliser une partie du traitement des migrants dans ce pays des Balkans. Les 12 migrants faisaient partie du premier groupe de 16 migrants à être envoyés dans les deux centres qui ont ouvert la semaine dernière dans le cadre d'un accord de 5 ans visant à accueillir 3000 migrants par mois arrêtés par les gardes-côtes italiens, afin de les examiner en vue d'un éventuel asile en Italie ou d'un renvoi dans leur pays d'origine. Toutefois, la détention de chaque migrant doit être réexaminée par des tribunaux spécialisés dans les migrations en Italie.
Conformément à la législation italienne, un tribunal de Rome a rejeté la détention de 12 migrants, arguant qu'ils ne pouvaient être renvoyés dans leur pays d'origine, le Bangladesh et l'Éthiopie, parce que le tribunal avait estimé que ces pays n'étaient pas suffisamment sûrs. Mesdames et messieurs, ici enfin cette édition d'information. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur IDM TV, la chaîne panafricaine. Au revoir.